Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation. Ça sauve des gens. Restez chez vous. 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 Rien de compliqué. On vous dit de rester chez vous. Mais vous préférez plutôt faire des barbecues. On vous demande pas de partir en guerre. Vous pouvez déjà ne plus pouvoir sortir. C'est la galère. Et il y aurait dû y avoir une épidémie. Pour que la terre ait un peu de répit. Évite de contaminer. Car les hôpitaux seront surrechargés. Ils n'auront plus le choix. Ils devront choisir entre ton frère et toi. On changera notre alimentation. On résoudra les problèmes de mondialisation. Mais pour ça, il faudra trouver des solutions. Mais avant tout ça, il faut respecter les consignes. Notamment se laver les mains. Et la plus simple, en dernier, la plus facile à comprendre, on demande juste de rester chez vous, ça sauve des gens. Restez chez vous, ça sauve des gens. Restez chez vous, ça sauve des gens. Restez chez vous, rien de compliqué.